Tu m'es cher, car je t'aime. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma joie. C'est cette parole que Dieu nous adresse à chacune, à chacun ce matin. Une parole à mettre au fondement de nos vies. Une parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer chaque jour, quelles que soient les circonstances. Bienvenue pour ce culte de Pentecôte. Le culte est une halte dans notre quotidien, un moment pour se mettre à l'écoute de l'appel qui nous est adressé à chacune, à chacun personnellement, et aussi à nous comme communauté, ensemble. Un appel qui nous dit « Partagez ce qui vous fait vivre. Vous en avez la force, vous en avez les ressources. Partagez. » Une bienvenue toute particulière à vous, Charles, Anna, Edgar, Balthazar et Valdemar qui va recevoir le baptême. Bienvenue à vous qui êtes venus les entourer pour ce moment important. Le baptême est toujours une fête, quel que soit l'âge de la personne qui le reçoit. C'est la fête d'un amour premier toujours donné, toujours à recevoir à nouveau, pour que la vie belle que Dieu veut pour nous puisse se déployer dans toutes ses dimensions, dans toutes ses couleurs. Un culte de Pentecôte, particulièrement avec un baptême, est une fête qu'il est bon de commencer par ce que nous appelons la louange, c'est-à-dire un moment pour prendre conscience de tout ce pourquoi nous pouvons nous réjouir dans nos vies. Et nous le faisons ce matin, comme souvent, en écoutant des mots qui nous viennent de très loin dans le temps et dans l'espace. Des mots que des générations se sont transmis depuis des millénaires. Les mots d'un poème très ancien, le psaume 36. Seigneur, ta bonté est immense comme les cieux. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme l'abîme. Seigneur, tu viens au secours des êtres humains et des bêtes. Ta bonté est si précieuse. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de tes délices. Oui, Seigneur, c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Maintiens ta bonté pour les personnes qui te connaissent. Reste un Dieu juste pour ceux qui ont le cœur droit. Que l'arrogant n'arrive pas jusqu'à moi, que les méchants ne me chassent pas. Ils tombent ici, les gens malfaisants. Ils sont renversés sans parvenir à se relever. Oui, Seigneur, ta bonté est immense comme les cieux et ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Amen. Charles, Anna, vous avez demandé à ce que votre fils Valdemar reçoive le baptême. Nous accueillons ce désir avec joie et nous accomplissons ainsi ce que Jésus a dit à ses disciples. Allez, de tous les peuples faites les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. En ce moment, une des questions préférées de mes enfants, c'est « À quoi ça sert ?» Et alors ici, « À quoi ça sert le baptême ?» Je leur réponds toujours « Ça sert à rien et c'est tant mieux. » Il y a dans la vie un tas de choses qui ne servent à rien
et qui sont cependant précieuses. Et peut-être justement pour ça, elles nous sont d'autant plus précieuses. Un câlin, un bisou, un fou rire, un coucher de soleil, la grâce d'une biche ou la beauté d'une rose. Toutes choses qui ne servent à rien. Et puis je leur dis aussi que chercher à quoi sert quelque chose n'est peut-être pas toujours la bonne question à se poser. On peut parfois se demander quel est le sens, ou bien qu'est-ce que ça me fait, ou bien est-ce que j'aime ça, est-ce que c'est important pour moi ou pour d'autres. Alors non, le baptême ne sert pas à quelque chose de précis comme un vaccin sert à nous protéger d'une maladie, et on en parle beaucoup en ce moment. Ce n'est pas parce que Waldemar va être baptisé tout à l'heure qu'il sera protégé des épreuves de la vie, ni même du doute ou de la perte de sens. Le baptême n'est pas de cet ordre-là. Dans mon langage technique de pasteur, le baptême, c'est un sacrement, c'est-à-dire un signe qui rend visible l'amour de Dieu offert sans condition, inébranlable, présent même au cœur de nos moments les plus sombres. C'est un amour qu'on peut dire multicolore et que je vais essayer de dire quelques mots avec quelques couleurs. Dans le baptême, il y a d'abord du bleu. Le bleu, c'est la couleur de l'eau qui est toujours présente dans le baptême. L'eau est fondamentale pour toute forme de vie. Elle lave, elle apaise, elle désaltère, elle rafraîchit. Et l'eau du baptême nous rappelle aussi l'eau dans laquelle baigne l'enfant dans le ventre de sa mère. On sort de l'eau du baptême comme on sort du ventre de sa mère pour une nouvelle naissance. Un autre élément important du baptême, c'est le nom, le prénom. Je l'ai mis ici en vert. Avec toutes ces lettres, on peut écrire tous vos prénoms, à vous ici présents dans cette cathédrale. J'ai écrit là le nom de Waldemar. On pourrait écrire chacun de vos prénoms. Prononcer le nom d'un enfant le jour du baptême, même si on le connaît déjà, quand je vais demander tout à l'heure aux parents de Waldemar comment s'appelle leur fils, je le sais déjà. Mais prononcer le nom à ce moment-là, c'est comme faire les présentations, c'est dire à Dieu, voilà, je te présente Waldemar, il est important, souviens-toi de Waldemar. Le baptême, c'est aussi jaune comme la lumière, comme une bougie qui s'allume. Recevoir le baptême, c'est éclairer sa vie différemment. Jésus a dit un jour, « Je suis la lumière du monde. » Recevoir le baptême, c'est faire confiance à cette lumière même dans les jours les plus sombres, même quand on croit qu'elle s'est éteinte. Jésus, un autre jour, a dit aussi, « Vous êtes la lumière du monde. » Et recevoir le baptême, c'est recevoir cette promesse que nous sommes les uns, les unes pour les autres, des lumières. Même quand on se sent abandonné, d'autres peuvent être lumières pour nous. Le baptême, c'est aussi recevoir une bénédiction de la part de Dieu. C'est un mot un peu compliqué, la bénédiction, mais ça veut dire quelque chose de tout simple. Ça veut dire que Dieu dit du bien de nous. Tout à l'heure, je vais baptiser Waldemar et je vais étendre ma main sur lui en signe de bénédiction de la part de Dieu. En faisant ce geste, je lui dis, Waldemar, Dieu te dit oui. Il dit oui à ta vie. Il dit oui à tout ce que tu es. Sois le bienvenu dans cette vie. Le baptême, c'est aussi un jour de fête dans lequel on se met en blanc. Waldemar a une très belle robe blanche ce matin. C'est un jour de fête pour la famille de Waldemar, bien sûr, pour ses amis, pour nous aussi comme communauté et pour Dieu, qui se réjouit de voir Waldemar arriver dans la communauté. Et puis le baptême, c'est aussi rouge, comme l'amour, comme la couleur du sang aussi. Nous baptisons au nom de Jésus,
Jésus qui a donné sa vie, offert sa vie à toutes les personnes qui l'ont rencontré. Et puis un jour, il a partagé le pain et le vin une dernière fois avec ses amis. Et il a demandé qu'à chaque fois qu'on fasse ces gestes, on se souvienne de lui. De lui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. De lui qui a offert sa vie pour tous les humains. Alors oui, le baptême, c'est tout cela. C'est toutes ces couleurs et encore bien d'autres que Waldemar va découvrir au long de sa vie. Que vous ici, qui avez peut-être reçu déjà le baptême, enfant ou adulte, vous pouvez encore découvrir, chaque jour, on peut découvrir quelque chose de nouveau sur son baptême. Et on est invité à le partager. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu nous offres gratuitement ton baptême. Pardonne-nous de l'oublier. Certains d'entre nous ont été baptisés en ton nom de Père, et pourtant nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons de toi. Et nous voulons marcher seuls, nous croire autosuffisants, autosuffisantes. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils. Et nous n'arrivons pas à faire comme lui, à aimer celles et ceux qui croisent notre chemin. Nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir les autres. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit. Et nous portons difficilement les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Oui, Dieu notre Père, viens chaque jour nous relever, nous envoyer réparer les relations brisées, nous guider vers la vie pleine et heureuse que tu veux pour chacun de nous. Amen. Anna.
Vous avez demandé à ce que votre fils soit baptisé. Je vais vous inviter à vous approcher avec Auguste et Daniela, le parrain et la marraine. Et je vais vous inviter, l'assemblée, à vous lever pour vous joindre de cœur à cette confession de foi. Nous croyons en Dieu, Père et Mère, qui a créé le monde si beau qui nous entoure, qui nous aime dès le ventre de nos mères, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous croyons en Jésus le Christ, notre frère, qui nous a montré l'amour qui nourrit, qui donne patience, confiance, résistance, et qui nous accompagne sur la route. Il s'est donné pour toute l'humanité, il a vécu, lutté, souffert, il a traversé les ténèbres de la mort et il a ouvert les portes de la vie, de sorte que désormais rien, aucune force du monde, ni passé, ni avenir, ni bonheur, ni malheur, ni hauteur, ni profondeur, ni vie, ni mort, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Nous croyons à l'Esprit Saint qui nous porte vers l'avenir, qui inspire sagesse et élan de vie, qui renforce notre action et qui fait rayonner l'amour. Et nous nous appuyons sur l'Église, communauté de gens comme les autres, appelés à partager la reconnaissance, la joie et l'espérance. Amen. Je vous invite à vous rasseoir, sauf vous. Approcher avec Valdemar. Dieu nous connaît chacun par notre nom. Charles, Anna, quel nom avez-vous donné à votre fils ? Valdemar, Jean, Éric, Alain. Valdemar, Jean, Éric, Alain. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que celles et ceux qui lui font confiance entrent dans la vie que rien ne peut altérer. Amen. Perdu le chanteur.
nous avons baptisé Valdemar. Vous, ses parents, son parrain, sa marraine, vous le porterez devant Dieu, dans la prière. Vous lui ferez connaître votre foi. Vous lui parlerez de son baptême. Vous serez ainsi témoin pour lui de l'amour que Dieu lui porte. Vous serez des lumières dans sa vie. Ce sera votre joie et la nôtre. S'il décide un jour de répondre oui, au oui que Dieu met sur sa vie, est-ce bien là ce que vous voulez ? Oui. Avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Je crois que Daniela, vous pouvez nous partager le psaume, voilà, et puis Edgar. Nous aurons ensuite... Charles et Anna ne veulent pas prendre la parole, donc c'est Edgar, le grand frère, qui va dire quelque chose. Peut-être, juste, vous pouvez vous mettre au micro, sinon on ne vous entendra pas. Oui. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Valdemar, c'est avec beaucoup d'émotion que je partage cette journée avec toi. Nous sommes maintenant trois frères baptisés. Il paraît que trois est le chiffre magique. Il y a le passé, le présent et le futur. Il faut trois pieds pour qu'une table tienne debout. Il faut trois roues pour faire un tricycle. Tous les triangles ont trois côtés. Sans toi, la vie serait donc bien bancale. Je serai toujours là pour toi. Voici Valdemar. Par ce baptême, nous attestons qu'il est enfant de Dieu. Vous, communauté ici rassemblée, vous êtes sa famille spirituelle. Il est chez lui, ici. Aucune contrainte ne retiendra Valdemar dans la famille chrétienne. Et s'il venait un jour à s'en séparer, sa place y restera toujours marquée. Il pourra toujours la reprendre. Vous, vous répéterez que l'amour de Dieu lui reste offert, toujours à nouveau. Vous serez ainsi pour lui les témoins de l'amour de Dieu, pour chacun, pour chacune, et en particulier pour Valdemar. Et si un jour il décide de répondre oui, au oui de Dieu sur sa vie, vous vous réjouirez avec sa famille et avec lui. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce baptême, une fête pour nous comme pour toi, une fête qui vient nous rappeler ton amour toujours offert, partout sur nos chemins, même les plus sombres. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour celles et ceux qui sont témoins parmi nous de cet amour. Veille sur nous et sur eux. Amen. Son.
Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants et des croyantes nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. La bibliothèque que nous appelons la Bible est un recueil de ces expériences et témoignages. Elle contient des mots si anciens qu'ils nous semblent parfois incompréhensibles. Elle contient des histoires étranges, dérangeantes parfois, et qui nous restent peut-être hermétiques. Alors Père, envoie sur nous ton esprit, afin que nous entendions dans ces histoires anciennes quelque chose de toi pour notre vie aujourd'hui. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pentecôte. Pentecôte, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire cinquantième. Cinquantième jour après le dimanche de Pâques. Alors si on veut être précis, Pentecôte c'est demain. C'est lundi de Pentecôte. Ce jour-là, les chrétiens font mémoire de ce qui est arrivé aux disciples de Jésus quelques semaines après sa mort et sa résurrection. Ils en font mémoire au sens juif du terme, c'est-à-dire une mémoire qui vivent à rendre actuelle cette histoire, à en voir les accents et les effets pour aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, en écoutant deux récits tirés du Nouveau Testament. Le premier récit, c'est vous qui l'avez choisi, Anna, parce qu'il tient une place particulière dans votre vie. Il se trouve dans l'Évangile de Matthieu et fait partie du premier enseignement public de Jésus. Jésus s'est installé à l'écart des villes, sur la montagne, et il s'adresse à une foule bigarrée d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, de malades, de paysans, de miséreux, d'artisans. Et il leur dit « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les humains, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Le deuxième récit, c'est bien sûr celui de la Pentecôte, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous sommes donc 50 jours après Pâques. Le Christ a manifesté sa présence à ses disciples depuis, il les a rassurés. Il les a chargés de la mission de parler au monde entier. Et depuis quelques jours, depuis l'ascension, il a disparu à leurs yeux. Depuis, les disciples attendent son retour. Ils attendent dans la chambre haute de la maison dans laquelle ils se sont réfugiés, petits troupeaux apeurés et tremblants. Et voici ce qui advient. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue.
Déconcerté, émerveillé, il disait « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que non-juifs, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et d'autres riaient. Ils sont ivres. À Pentecôte, les apôtres se déconfinent. Ou plus exactement, ils sont déconfinés par le feu intérieur qui les a rejoints. Car oui, le plus grand miracle de ce jour-là, c'est que les disciples de Jésus, ce petit groupe apeuré qui s'enfermait jour après jour dans la même maison depuis Pâques pour prier ensemble, pour échanger des souvenirs et des interrogations sur l'avenir, pour sentir la présence mystérieuse du Christ par-delà la mort sur la croix, ce petit groupe est ce jour-là sorti de sa chambre haute sur la place publique. Il a parlé à d'autres, à ces autres qui leur faisaient si peur depuis la mise à mort de Jésus, et ils les ont touchés. Après le traumatisme de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus, les disciples s'étaient dispersés et cachés. Les premières manifestations de la présence de Jésus après le matin de Pâques les avaient rassemblés de nouveau, comme Jésus de son vivant les avait appelés et rassemblés. Les disciples s'étaient retrouvés ensemble, ils avaient échangé leurs expériences, ils avaient prié. Mais ils avaient toujours peur. Ils vivaient toujours dans la crainte de ce qui pouvait leur arriver avec les autorités juives, dans la crainte aussi des décisions qu'il allait leur falloir prendre quant à leur avenir propre. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Et ils n'allaient pas pouvoir rester indéfiniment terrés dans cette maison de Jérusalem, à raser les murs en baissant la tête à chaque sortie, à errer sans but, à vivre de la générosité de leur hôte. Mais que faire ? Reprendre la vie d'avant ? Rester ensemble ? Pour faire quoi ? Ils attendaient sans trop savoir quoi, sans doute. Et il nous arrive aussi, à nous, d'être comme assommés par une épreuve, de nous replier sur nous-mêmes, de ne plus pouvoir avancer ni reculer, d'être en attente de nous ne savons quoi, de quelque chose qui nous aide à choisir, peut-être, ou de quelque chose qui nous redonne le goût de vivre. Et le récit de la Pentecôte nous parle de cela, de ces chemins inattendus qui s'ouvrent. Mais avant de regarder de plus près ce qui s'y passe, je voudrais revenir sur le moment où ça se passe. C'est le jour de la Pentecôte, pas la Pentecôte chrétienne que nous célébrons aujourd'hui, la Pentecôte juive, ou fête des semaines, qui a lieu 50 jours après Pâques. C'est une fête qui commémore le don de la loi à Moïse, et à travers Moïse, le don de la loi au peuple. Si vous ouvrez un jour votre Bible pour y relire le récit de ce don de la loi sur le Sinaï, vous y trouverez aussi du feu, un grand souffle et un grand bruit.
Ce sont les signes de la présence agissante de Dieu. À la Pentecôte comme au Sinaï, il est question de la présence de Dieu dans nos vies, mais sur deux modes différents. Au Sinaï, Moïse reçoit seul une loi gravée dans la pierre à transmettre à son peuple. À la Pentecôte, une équipe de disciples reçoit un souffle nouveau, un souffle saint qui fait d'eux à nouveau des êtres parlants, des êtres debout dans le monde, pour annoncer chacun à sa façon qui est Dieu à toutes celles et à tous ceux qui croisent leur route. Ce souffle est comme une langue de feu, c'est-à-dire comme une parole qui vous saisit, qui vous habite, qui vous illumine, qui vous purifie aussi de ce qui vous entravait jusque-là, de la peur, de l'angoisse, de la timidité, du sentiment d'imposture. Ce souffle est comme une langue de feu qui se dépose sur chacun. Personne n'est oublié. Ce n'est plus ou plus seulement un peuple ou un petit groupe qui est concerné, mais des individus uniques, chacun avec leurs forces et leurs faiblesses, avec leurs histoires, leurs blessures, leurs fiertés. Et c'est parce que chacun reçoit ce souffle qu'ensemble, ils peuvent sortir, parler, dire, annoncer. Et ils le font sans réfléchir, sans se poser 1000 questions pour une fois, sans établir de plan de communication bien carré. Ils sortent et ils parlent. Ils parlent, nous dit le texte, des merveilles de Dieu. Et ils parlent de telle manière que toutes les personnes qui se trouvent là, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou linguistique, en reçoivent quelque chose. C'est que quand vous parlez avec cette impulsion, avec ce souffle, quand vous parlez de ce qui compte vraiment pour vous, de ce qui est à la source de votre vie, vous parlez avec tout votre être, vous parlez à tout l'être de la personne qui est en face de vous. Vous parlez de cœur à cœur. Un bébé sent ce que les adultes disent, au-delà des mots. Il sent ce qui les habite. De même avec une personne qui ne parle pas votre langue ou qui a perdu le lien avec le monde extérieur. Une communication reste possible. Et elle reste possible parce que les mots ne sont pas l'entier du message. Les spécialistes disent même qu'ils n'en véhiculent qu'une toute petite partie, ce qui est un peu affolant pour celles et ceux qui, comme moi, sont des gens qui travaillent tous les jours avec la parole. Mais ça se vérifie, les mots ne sont pas l'entier du message. Alors oui, à la Pentecôte, s'établit un dialogue de cœur à cœur. Et depuis la Pentecôte, la parole de Dieu passe par des gens comme vous et moi. Elle habite en elles, en eux. Elle est passée au filtre de leur histoire, de leur compréhension, pour aller à la rencontre de celles et ceux qui croisent leur chemin, pour leur parler à chacun, à chacune, là où ils sont. Il n'y a plus un messager unique d'un message universel. Il y a une foule de messagers, une foule de messagères, qui disent chacun à leur manière un message très universel et très personnel. On ne sait pas exactement ce qu'ont dit les disciples ce jour-là, mais ils étaient animés par ce feu intérieur. Si Pâques nous raconte la résurrection du Christ, Pentecôte nous raconte la résurrection des disciples. Elle nous raconte que notre résurrection est possible aussi, que nos enfermements, nos peurs, nos hésitations, nos souffrances, nos incompétences ne disent pas tout de notre être. Tout cela n'est pas une condamnation au tombeau ou au statu quo. La Pentecôte nous rappelle qu'il nous arrive à nous aussi de nous sentir habités d'un souffle plus grand que nous, venu d'autre part que de nous, un souffle qui nous pousse à partager ce qui nous fait vivre. La Pentecôte nous dit que nous sommes appelés à vivre de ce souffle, à nous laisser illuminer par lui pour devenir à notre tour des êtres debout, parlants et inspirants. À la Pentecôte, les disciples expérimentent, et nous sommes invités à le faire aussi, ce que Jésus avait dit à la foule au début de son ministère. Vous êtes la lumière du monde. Cet enseignement devient tout à coup quelque chose de très réel, qui prend chair dans leur vie. Cette lumière était déjà là en eux, mais à la Pentecôte, elle s'est rendue visible.
pour pouvoir se répandre. Quand Jésus disait à la foule qui l'écoutait « Vous êtes la lumière du monde », il parlait au présent. Vous qui êtes là, vous êtes déjà tel que vous êtes, ici et maintenant, lumière du monde. C'est pas demain, pas quand vous aurez fait ceci ou cela, non. Ici, maintenant, vous êtes la lumière du monde. Jésus regarde chaque personne qu'il rencontre comme une personne qui porte cette lumière. Une lumière qui lui est propre et qui est précieuse pour le monde. Alors bien sûr, nous sommes appelés à faire quelque chose de cette lumière, comme les disciples le font à la Pentecôte. La lumière peut être masquée. Cela arrive aux disciples, cela nous arrive aussi. Mais la lumière est déjà là, et il est possible de la rendre à nouveau visible. Il est possible qu'un grand vent vienne la ranimer. Laissez briller cette lumière, laissez-la vous envahir et déborder de vous pour se communiquer à d'autres. Et n'ayez pas peur de cette lumière qui est en vous. Elle est claire, elle brûle ce qui doit l'être, mais elle ne ravage pas. Et surtout, n'ayez pas peur de la partager. La lumière ne se divise pas, elle se multiplie. Quand vous allumez une bougie à une autre bougie, la première ne s'éteint pas, elle reste allumée, il y a plus de lumière. La langue de feu qui s'est répandue sur chacun des disciples à la Pentecôte ne s'est pas divisée, elle s'est multipliée. La lumière, comme l'amour, ne diminue pas d'être partagée, elle se multiplie. Ce don premier de la lumière rend disponible, libre, parce que nous n'avons pas à gagner cette lumière, elle est déjà là. Et alors on est disponible pour soi, pour les autres, on est disponible pour s'engager où que l'appel résonne. Pour les disciples, ce jour-là, ça a été de sortir parler à d'autres. Pour nous, aujourd'hui, ça peut être tout autre chose. Mais tous et toutes, nous sommes appelés à briller les uns pour les autres, comme les disciples et comme tant d'autres avant nous. Pour le dire avec d'autres mots que les miens, ceux de la théologienne Marianne Williamson, nous sommes nés pour manifester la beauté et la bonté divine qui sont en nous. Nous sommes des enfants de Dieu, conçus pour briller. Ce n'est pas donné à quelques-uns seulement, mais à nous tous, à nous toutes. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons aux autres le pouvoir et l'autorisation d'en faire autant. Et si nous sommes libérés de notre peur, et nous le sommes, notre présence libère les autres de notre peur. Amen. Thank you.
Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde et pour nous. Dans la prière, nous voulons nous ouvrir un peu plus à cet amour, pour en devenir des témoins et des signes. Assurés de ta fidélité, nous te présentons Valdemar et sa famille, Anna, Charles, Edgar, Balthazar. Garde-les dans la joie de ce jour. Fais-les grandir en amour, en lumière, en élan de vie. Nous te présentons tous les enfants du monde et leurs familles, ceux qui souffrent de la méchanceté, meurtris par la haine, blessés par les guerres. Place sur leur route des humains bienveillants et secourables, afin que leur chemin refleurisse. Inspire nos dirigeants, pour qu'ils et elles œuvrent à la paix, condition d'une vie meilleure pour les enfants de tous les âges. Fais de nous des instruments de cette paix là où nous sommes. Nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, pour les orphelins et les orphelines, pour les enfants dont les rêves sont brisés. Fais de nous des signes d'amour et d'espérance pour eux. Nous te prions pour les enfants dont le corps ou l'esprit souffle. Entoure-les de ta tendresse et de ta force pour qu'ils puissent affronter chaque jour nouveau. Que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Préserve en chacune et en chacun, quel que soit notre âge, l'esprit d'enfance et d'humilité. Nous te présentons ton Église partout dans le monde, et particulièrement ici à Genève, à Saint-Pierre, pour qu'elle apprenne à redire le trésor transmis par les générations d'hier avec des mots d'aujourd'hui, pour les hommes, les femmes et les enfants d'aujourd'hui, pour qu'elle soit ouverte à tous les êtres humains et qu'elle ait l'audace de sortir à leur rencontre. Nous te prions pour les hommes, les femmes et les enfants d'aujourd'hui et de demain, pour celles et ceux qui croient, pour celles et ceux qui doutent, pour celles et ceux qui aiment et celles et ceux qui haïssent, que ta lumière les atteigne et leur donne de découvrir ton amour. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus nous a laissées et qui fait de nous des frères et des sœurs devant toi, tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte, mais avant cela, j'ai quelques annonces. D'abord, un grand merci à nos deux musiciens, Vincent Thévenin qui est là-haut et Erwin Arros que je ne vois pas, mais voilà, qui est là, qui nous ont montré une fois encore à quel point la musique nous ouvre à quelque chose qui nous dépasse. Merci à toutes ces personnes qui ont préparé le culte, assuré son bon déroulement. Nicolas qui a préparé la cathédrale, Colette, Jean-Claude et Liliane qui vous ont accueillis à l'entrée. Et puis un merci spécial à deux personnes qui ne sont pas là mais à qui la liturgie de ce culte doit beaucoup, Florence et Gwendoline. Merci à chacune, à chacun pour votre présence ce matin. Vous êtes co-célébrants de ce culte avec moi. Et merci à vous, Anna et Charles, pour la confiance qui a imprégné nos échanges. Et merci à vous qui êtes venus les entourer de votre amitié pour ce jour de fête. La semaine prochaine, il y a une célébration pour les familles à l'Auditoire Calvin, juste à côté, à 10h. Nous y parlerons
du pain et du vin partagés qui, eux aussi, ne se divisent pas, mais se multiplient. Tous les enfants sont bienvenus de 0 à 100 ans. Les plus jeunes doivent être accompagnés d'un adulte. Dimanche matin, ici à 10h, le culte sera présidé par Blaise Menu. Et puis, dernière petite annonce, pendant la musique qui va suivre tout de suite, votre offrande sera recueillie. L'Église ne vit que des dons, dans la reconnaissance de ce qu'il est possible à chacun d'offrir, pour qu'ensemble, nous fassions résonner cette parole folle. Tu es désiré, tu es aimé, l'obscurité n'est pas l'essence de ton être. J'ai oublié une dernière annonce. Nous avons trouvé ça à l'entrée de la cathédrale. Si c'est à quelqu'un, je le pose là, sur le premier banc. Vous pouvez le récupérer en sortant. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Prenez le temps de jouer. C'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire. C'est une gorgée d'eau fraîche pour chaque jour. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est un cadeau de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Le Père vivifie en vous la grâce du baptême. Le Christ ressuscité accompagne chaque jour de votre vie. L'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau d'amour que Dieu veut pour nous. Allez dans le feu qui vous est donné, dans la lumière qui brille en vous. Amen.